Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi d'être avec vous pour amener votre cours des protéines. Alors aujourd'hui, on va voir les structures tridimensionnelles des protéines. إذن كما هو معروف واضح هو أن البروتين أو البوليبيبتيد sont constitués par des résidus. Bien sûr, ces résidus, ce sont les acides aminés. Alors, une fois qu'on a plus que 100 acides aminés, on dit qu'on a un polypeptide ou bien des protéines. Les protéines sont classées par ordre de complexité croissant en structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Alors, je ne vais pas dire que les protéines ont quatre structures tridimensionnelles, soit primaire, bien secondaire, tertiaire ou quaternaire. Soit primaire ou secondaire, tertiaire ou finalement quaternaire. La question à Tahinefbana, c'est pourquoi on a quatre structures tridimensionnelles. Les protéines ont un rôle dans la vie cellulaire. Alors, dépendant du rôle de la cellule, on a une structure dans les quatre structures. Alors, on a ici la structure tridimensionnelle des protéines, renseigne sur le rôle qu'ils jouent dans la vie de la cellule. Relation structure activée. Voyons maintenant la structure primaire du protéine. Il s'agit d'une séquence d'acides aminés, c'est-à-dire le nom d'acide aminé qui relie par les intermédiaires des liaisons peptidiques pour former un polypeptide. Alors non, pour former un polypeptide, on a besoin des acides aminés. Comme on a ici dans le schéma, on a méthionine, acide aspartique, leucine et tyrosine. Alors pour former un polypeptide, on a une réaction entre le groupe carboxyle avec le groupe amine, qui permet de former les liaisons peptidiques avec l'élimination bien sûr de H2O. La même chose pour les autres réactions. Alors on a ici trois liaisons peptidiques. Les séquences sont déterminées par les gènes à travers le mécanisme de transcription et de traduction. Les mécanismes de la biologie moléculaire. Alors les polypeptides, il est aussi défini à la côte N-terminale au début de la chaîne, liée à la fonction amine, à le début de l'acide aminé. De la même manière, l'autre côté définit l'extrémité C-terminale qui correspond à la fonction carboxyle libre de dernier acide aminé. Passons aux étudiants à voir maintenant les structures secondaires. Alors, les structures secondaires, elles sont composées de trois types. Les deux premiers types sont hélice alpha et feuillette bêta, qui sont régulières et répétitives. Au troisième type, les boucles hélicoïdes, ils sont non régulières et non répétitives. Alors, la différence entre le premier type et le deuxième type, c'est que les deux premiers types sont régulières et répétitives. Les cancrobéas montent à des mains ou catch out. Le troisième type est non régulière. Pour les structures secondaires, c'est le premier stade de l'organisation dans l'espace d'une chaîne peptidique. Donc, une chaîne peptidique ou une chaîne d'acides aminés qui contient plusieurs acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques entre CO et NH. Alors maintenant, pour avoir une structure secondaire, on a besoin d'une autre liaison, la liaison hydrogène. Les quatre liaisons ont une chaîne peptidique, maintenant une forme, soit spirale, soit zigzag. Donc, une chaîne d'acides aminés possède au niveau des liaisons peptidiques de nombreux groupements CONH. Ceux-ci peuvent établir en eux, dans l'espace, des liaisons hydrogènes et forment une structure secondaire. Alors, pour former une structure secondaire, on a besoin de liaisons hydrogènes. Les structures secondaires stables, les plus fréquentes sont hélice alpha, feuillette bêta et les coudes.
Alors, les structures, il y a trois types comme on a hélice alpha, fuite bêta et les coudes. Alors, comme on voit un AF diapo, un schéma, le kibilina, schkel dial hélice alpha, il y a une forme spirale. Alors, pour avoir une forme spirale fin chaîne peptidique, on a besoin d'une liaison hydrogène, qui compte entre CO et NH. La chaîne principale s'enroule en spirale vers le droit. Alors, on a une forme de spirale, structure stabilisée par des liaisons hydrogènes. Alors, pour avoir une forme spirale, on a besoin de liaisons hydrogènes. La chaîne latérale R et liaison CH pointeux vers l'extérieur. Alors, la diapohada, on a un schéma qui est plus détaillé pour l'hélice alpha. Comme on a dit, l'hélice alpha, on a une seule chaîne peptidique. Il s'agit d'une forme spirale. Et pour avoir cette forme, on a besoin du pont hydrogène ou de la liaison hydrogène. Donc, on a entre CO et NH. Voilà une autre liaison hydrogène ici, entre CO et NH. L'exemple de l'hélice alpha, la kératine des 9 cheveux, est une protéine en hélice alpha qui forme une fibre allongée. Maintenant, passons à voir le deuxième type de structure secondaire qui est le feuillet bêta. Alors, vous pouvez vous montrer un peu parce qu'il faut faire la différence entre le feuillet bêta et l'hélice alpha. L'hélice alpha calque une seule chaîne peptidique qui fait une liaison hydrogène pour trouver une forme spirale. Amma pour le feuillet bêta, calque plusieurs chaînes peptidiques qui fait une liaison hydrogène entre eux pour trouver une forme zigzag. Et le feuillet bêta a deux types. Le premier type, le feuillet parallèle. Deuxième type, le feuillet antiparallèle. Les rachouf d'herpolmagion en détail humusien. Alors, la chaîne peptidique se trouve sous forme d'un zigzag. La chaîne principale est étirée et deux segments de la protéine se placent côté à côté, unis par des liaisons hydrogènes. Alors, on a plusieurs chaînes peptidiques côté à côté. On est entre eux par des liaisons hydrogènes. Alors, on a une liaison hydrogène qui est entre CO et NH. Maintenant, on a entre le groupement CO et NH. Si les segments sont orientés dans le même sens, on parle de feuillet parallèle. Et si les segments sont orientés dans le sens contraire, on parle de feuillet antiparallèle. Alors, le différent entre le feuillet parallèle et le feuillet antiparallèle, c'est que nous avons les chaînes peptidiques dans le même sens, quand nous avons le parallèle. Nous avons le sens contraire, quand nous avons antiparallèle. Voilà un exemple ici, deux schémas. Dans le premier schéma, il y aura trois chaînes peptidiques. Entre CO et NH, on a une liaison hydrogène qui est une deuxième structure. Alors, les chaînes peptidiques elles sont dans le même sens. Alors, on a le feuillet parallèle. Le deuxième schéma, on a aussi trois chaînes peptidiques, liaison hydrogène entre NH et CO, mais on a le contraire sens qu'on voit ici. Alors, on dit que les feuillet bêta antiparallèle. Et pour les coudes ou les boucles, comme on a fait l'eau, les structures des boucles et les coudes, ce sont non régulières et non répétitives. Alors, ma chimie de tadmin, ma kitia ou douche bzdev. Dans le diable, on a fait une lien ou la connexion entre les structures secondaires. Comme on voit ici, la chaîne principale de la protéine fait un tour en caractère U. Alors, on a la forme du U, retrouvée souvent à la jonction de deux segments de la chaîne formant un feuillet bêta antiparallèle. Alors, comme on voit ici, on a un feuillet bêta antiparallèle, dans le sens contraire. Maintenant, passons à voir les structures tertiaires et quaternaires. Alors, pour réviser, on va voir les deux premières structures, les chevenants, au moins les structures primaires et secondaires. Pour les structures primaires, on a une liaison peptidique entre les acides aminés pour former un polypeptide ou une protéine. Puis,
هضرنا على لي ستركتور سكوندير اللي كنلقاهم على شكل فويت بيتا اون فورم زيكزاك او لا اليس الفا على فورم سبيرال. اللي كنلاحظوا هو انه لي بروتيين كيحاولوا يوليو بلو كومبلكس او لا بلو ديفيسيل في الفورم ديالهم. بوي اون ا ماتنون لي ستركتور تيرسيير اللي حنا مهتمين بيهم اللي هما دوزيام غومبليمون بار ليزون ديفيرس ا لانترفال ايريغولير لا موليكول برون la forme d'une boule. Alors, là, c'est plus complexe, ou là, c'est une boule. Cette boule, elle est bien sûr plus complexe, les structures quaternaires. On a l'interaction de diverses chaînes déjà en structure tertiaire, comme on a ici, par diverses liaisons à l'intervalle régulière seulement chez les protéines complexes, forme de plusieurs chaînes. Alors, هنايا التساؤل اللي غيكون عندنا هو شنو هما لي ليزون اللي غنحتاجو باش نلقاو هاد لي فورم كومبلكس لي بول. في الاول لقينا لي ليزون بيبتيديك بوي اون لي ليزون هيدروجين بور فورمي اون ستركتور اون فورم سبيرال اي اون فورم زيكزاك. اي بور لي بول ايل فورم بلي كومبلكس كوم لي ستركتور تيرسيير اي كاترنير اون ا بوزوان دو 5 ليزون كوفالون. فوالا كيلكو اكزامبل ليزون كي بيرمي de former la liaison tertiaire et quaternaire. La première liaison est une liaison électrostatistique. Il y a une liaison ionique. Voilà ici un exemple d'une liaison ionique. Puis on a une liaison hydrogène. Il y a entre CO et OH. Et on a aussi une liaison de pont disulfure entre SS. Et deux autres liaisons, comme les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrophobes. Alors en général, pour former une structure plus complexe, comme les structures tertiaires et quaternaires, on a besoin de 5 liaisons covalents, qui sont les liaisons électrostatistiques ioniques, les liaisons hydrogènes, les liaisons hydrophobes, les liaisons de Van der Waals et le pont disulfure. J'espère que vous comprenez bien. Il y a une chose à faire dans les commentaires ou à la description du cours.